Luffy, c'est tellement excitant de voir ce que le tour nous réserve. Je pense que vous allez vraiment apprécier. Vous allez avoir tout un tas de capards vivants. Regardez comme ils sont mignons. Oh non, horrible! Je suis désolée, mais vous devez quand même dessiner. Et vous ferez mieux de le faire avec ces petits crayons. Et ça sera très à l'aise pour dessiner avec ça. C'est inhabituel, mais vous allez l'adorer. N'oubliez pas que vous n'avez qu'une minute. Ah, je ne veux pas certainement avoir des gâteaux, mais je dois quand même monter mes talents de peinture. Je pense que je vais très bien m'en sortir. Oui, je l'espère, parce que sinon, je n'aurai personne dont je pourrais m'inspirer. Oh non, mon crayon s'est cassé. Et qu'est-ce que je vais utiliser pour dessiner? Ah oui, j'ai un tas de crayons. J'espère que ça va m'aider. Oui, quelle beauté! Je peux enfin dessiner. Qu'est-ce qui se passe avec un tas de crayons? Oh non! Oh non, mais je suis couvert de n'importe quoi! Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à souffler sur le papier pour pouvoir commencer à dessiner. C'est fait? Hé, qu'est-ce que tu penses faire? Je suis couvert de n'importe quoi! T'inquiète pas, je vais t'aider à t'en débarrasser. Merci beaucoup! C'est très gentil de ta part. Bien sûr, je t'en voudrais pas après ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Devient le papier! Julie, tu vas arrêter de jeter les choses! Non mais n'importe quoi, Julie! Tu te rends pas compte que tu t'interfères avec ma peinture? Tu vois que je peux pas être distrait tout le temps. D'accord, je vais sortir toutes les beautés. Quel beau dessin que t'as! Je pense que je vais prendre ça. Ah, où est le dessin? C'est presque l'heure de la fin du challenge! Et t'as tout à fait raison! Le challenge est terminé, j'ai temps de montrer ce que vous avez réussi à dessiner. Vita, t'aurais pu faire mieux. Non, n'importe quoi. Mila, elle est où ton travail? Non, non, ça va pas du tout. Hé, hey, Julie! Eh ouais, un bon travail! J'aime bien ce dessin. Parce qu'il est à moi! Non mais, les filles, arrêtez! Qu'est-ce qui s'est passé? Quoique... Non mais, je ne veux pas connaître vos problèmes. Mila, tu vas voir tes capards. T'aurais dû essayer mieux. Oh non, c'est affreux! Waouh! Je n'ai jamais vu autant de cafards. Et qu'est-ce qu'il y a? Je pense que c'est quelque chose de brillant. Waouh! C'est une bague! Avec un diamant! Waouh! J'ai tellement de la chance! Quelle beauté! Les filles, c'est toi aussi à un prix encore plus inhabituel vous attend. Vous aimez les fruits de mer? Parce que l'une d'entre vous obtiendra cette pieuvre visqueuse mais très mignonne. Non, vous vous moquez de nous? Et vous allez dessiner avec ces peintures sur verre. J'espère que vous pouvez le faire. Et c'est parti! Okay. J'avais l'habitude de dessiner beaucoup de choses comme ça quand j'étais petite. Alors, je dois gagner. Oh non, on dirait que c'est juste une tâche. Il faut réessayer. Ouais. Comment on peut gâcher un travail comme ça? Notre ouvrier peut être une pieuvre vraiment brillante. Mais même cela peut être dessiné de façon mignonne et vraiment jolie. C'est pas mal ça. Awesome! Je suis totalement d'accord avec Mila. De plus, la pieuvre est pente et belle, hein? Mais au moins, t'as de chance d'obtenir la vraie. Je n'ai plus de peinture bleue. Oh non! J'espère que Bella ne m'en voudra pas si je l'emprunte. Hé, je ne comprends pas. Tu dois me demander la permission, hein? Voyons comment tu te sens quand cette beauté de peinture est à toi pour toujours! Ah, quel prank! Oh non, qu'est-ce qui ne va pas? Comment j'ai pu l'enlever? Bon, je dois d'abord terminer. Vita, qu'est-ce qui t'a dessiné? Je pense que c'est quelque chose de très effrayant. Quel cauchemar! Bingo. Dire cela est pour le moins très grossier. Je vais devoir te donner une leçon. Non, mais tu ne diras pas ça avec du verre cassé. Non, je ne veux pas de pieuvre. Bingo. Yonke. Non. Quoique, la colle que j'ai utilisée pour la farce pourrait t'aider. Les filles, vous n'avez plus de temps.
Il est temps de montrer vos dessins. Hey, come on! Julie, bien fait! C'est incroyable! Awesome! Vita, mais ta toile, c'est une horreur. Malheureusement, ce n'est pas bon. Mila, j'attendais plus de toi aussi. Mais où t'as réussi à casser la toile? Je pense qu'il est juste que la pieuvre obtienne les deux concurrents qui ne sont pas associés à ces règles du challenge. Vita et Mila, la pieuvre est à vous. C'est vrai, vas-y, mangez. Et moi, je vais vous regarder. Non, mais ne niez pas. Vous devez quand même manger. Ouah. C'est n'importe quoi, c'est dégoûtant. Ah non, j'ai encore plus peur d'essayer. Oui, c'est vraiment dégoûtant. Julie, pourquoi tu rigoles? On ne se moquera pas de moi. Vita, je propose que nous montrions à Julie qui a le dernier mot. Je suis avec toi jusqu'au bout. Julie, attrape. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est dégoûtant. Maintenant, j'ai des tentacules pour les cheveux. Je n'arrive même pas à faire partir cette puanteur avec de l'eau. Alors, à quoi ressemblera le troisième tour? Vous avez de la chance cette fois-ci. Regardez quel mignon petit chien. Et une fois de plus, vous devez dessiner avec quelque chose de très inhabituel. Maquillez-vous pour ressembler au plus mignon des petits chiens. Vous avez une minute pour recommencer et c'est déjà commencé. Bon, je ne peux pas perdre. Je veux vraiment être amie avec Toutou. Moi aussi, je veux. Awesome! Yeah! Oui, nous voulons tout avoir un ami aussi mignon. Je dessinais le maquillage des chiens. Je pense que je peux utiliser cette compétence. Oh, en fait, c'est pas mal du tout. Il faut réparer cela. Hé, hey, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez tout gâché. Je suis désolée, mais ce n'était pas ma faute. Tu sais quoi? Tiens, tu sauras comment m'empêcher de dessiner. Ah oui? Alors tiens. Oui, laisse-toi laver tout ça. Pourquoi tu me détestes tant? Ah, vous êtes tellement brillante. Il est temps de décider qui deviendra le propriétaire de ce tout. Non, mais ne me touchez pas. Et c'est fini. Il est temps de décider qui deviendra le propriétaire de ce toutou. Vita, c'est affreux. Oh non! Bébé, tu ne peux pas regarder ça. Mais là, tu n'es pas mieux. What? Ton maquillage n'est pas aussi effrayant, mais tu n'as toujours pas l'air d'un mignon petit chien. Julie, tu t'en sors très bien. Tu vas exactement voir un nouvel ami. Ouais. Yeah! Regardez comme il est beau. Et mignon. Qu'est-ce que vous regardez? Je devais combattre la concurrence d'une manière ou d'une autre. C'est quoi cette odeur? Oh non! Un chien mignon a déposé du caca! Oh, horrible! Alors nous avons eu le chien, tu n'as que ses restes. La justice a été rendue. Les filles, un magnifique prix vous attend dans ce tour. Regardez ce magnifique collier. Et l'une d'entre vous l'obtiendra. Et vous devez dessiner avec ces bouteilles. Et il y aura de la colle colorée. Avec des paillettes. Je pense que ça va être cool. Et c'est parti. Okay. Je sais que je vais avoir ce collier. Les autres filles ne correspondent pas du tout au statut. Non mais j'y arrive pas du tout. Oh non! J'ai tout gâché! Et comment je dois enlever ça? Peut-être redessiner avec un autre? Non, rien ne fonctionne. Quoi faire? Julie, ce n'est pas drôle. Je vais te montrer. Non, non, ne me touchez pas. Je n'ai absolument aucune idée de comment dessiner un collier. Mais les autres ne devraient pas l'avoir non plus. Mila, ne le prends pas mal, mais tu dois sentir le pouvoir de ces cols sur toi. Tout se passe parfaitement bien. Il suffit d'ajouter quelques gouttes de colle rouge. Génial! Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi la beauté est collée à maman? Julie, c'est tout toi. Moi? Non, c'est Vita. Ah, c'est vrai? Elle devra donc découvrir à quel point cette colle est bonne. Mais pas sur sa main, mais sur son visage. Je pense que ça lui va très bien. À l'aide! Non, non, enlevez ça! Oh non! Mes sourcils se remettent en place! Non, non, mes sourcils! Mais là, tu n'aurais pas dû faire la concurrence à moi. Je vais te montrer. Stop!
C'est fini. Montrez ce que vous avez dessiné. Vita, non. C'est un travail terrible. Ne sois pas offensée. Julie, c'est pas mieux. Les filles, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez comment dessiner. Mais là, c'est une bonne chose que tu me rendes toujours heureux. Je pense qu'il n'y a aucun doute que le prix revient à Mila. Félicitations. Waouh, quelle belle beauté. Je vais être la plus belle. Julie, tu veux quelque chose comme ça? Tu veux que je te le laisse porter? Bien sûr que oui. Mais je te ne le donnerai pas. Oh non, mais n'importe quoi. Alors personne ne l'aura. Qu'est-ce que t'as fait? Et non, et je me sentais déjà comme une princesse. C'était si beau. Les filles, vous auriez dû voir vos visages. Aucun collier ne peut les réparer. Waouh, c'est magnifique. J'adore cet endroit. Et voici notre fontaine de chocolat. Vous êtes prêts à battre pour la tenir? Et je vous prie, ça ne va pas être facile. Vous devez mettre les mains derrière votre dos. Bravo, vous avez pris un bon départ. Et je vous chronomètre. Bonne chance à vous. Bon, il faut d'abord se préoccuper d'un aérographe. Ce n'est pas aussi facile que je le pensais. Ouais, je vais essayer. Non, mais qu'est-ce qu'elles font? Ouais, c'est tellement facile. Non, mais c'est un peu difficile plutôt. Oh, comme c'est dur. Nous sommes occupés depuis un moment. Voyons comment Mia s'en sort. Ouais, elle est basée déjà faite, mais j'aime pas du tout ça. Quelque chose ne va pas. Ouais, je sais pas quoi faire. Je dois utiliser un stylo feutre. T'as vu comment j'ai habilement enlevé le bouchon? Ouais. Bien pensé, Mia. Tu vas me battre à ce rythme. Qu'est-ce que c'était? Non, mais quoi? Pourquoi Jennifer est-elle tombée? Je voulais juste enlever le capuchon de mon feutre. Eh bien, Mia a encore une longueur d'avance sur moi. Elle fait une belle fontaine. Mais qu'est-ce que je dois faire? Ah ouais, j'ai trouvé une plume régulière pour m'aider. Ah, je vais éternuer. Oh non, chien. Oh, regarde, qu'est-ce qui est arrivé à mon dessin? C'est couvert de peinture. Jennifer, comment t'as pu faire ça? Pourquoi tu rigoles, Kate? Oh, mais c'est tellement drôle. Drôle, je ne pense pas. Ah, Mia, pourquoi est-ce que tu fais comme ça? Oh, c'est horrible. Oh, non, je suis toute sale. Et maintenant, c'est vraiment drôle. Non, mais regarde, je fais ça sur ton dessin. Ça sera encore plus drôle. Jennifer, qu'est-ce que tu regardes? Tu veux aussi entrer dans la main chaude? Oh, je crois que c'est parti. Oh non, pourquoi tu fais ça? Ouais, voilà nos dessins. Ah, qu'est-ce que je vois? Non, ça a pas l'air vraiment bien. Désolée. Non, mais c'est Mia qui a ruiné mon dessin. J'ai peur que mon travail ne soit pas le meilleur non plus. Tout ça à cause de Jennifer. Les filles, vous me contrariez, ce n'est pas bon du tout. Je suis sûre que vous allez aimer mon travail. Oui, c'est vraiment excellent. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de choix à faire. Bon, Jennifer, t'as gagné. Prends la fontaine. Ouais, oh mon Dieu, c'est si grand. Soyez jalouse de moi, perdante. Cela fait si longtemps que je voulais essayer ce chocolat et mon amour est devenu réalité. Oh, nous ne devrions pas nous contenter de nous asseoir de le regarder. Nous devons lui voler son chocolat. Dépêchons-nous avant qu'elle ne boive tout elle-même. Ouais, c'était une idée brillante, Mia. Miam. Comme c'est bon. Oh, quoi? Non, mais où est passé tout mon chocolat? Nous avons décidé d'en prendre ta part. Mais ce n'est pas juste. Je vous présente ton nouveau prix. N'est-il pas très mignon? Oh oui, un véritable ange. Viens ici, mon pote. Oh, quel genre de surprise est-ce que c'est? Oh, on va vraiment dessiner du caca? Oui, Mia, t'es intelligente, bravo. Et allez-y. Ouais, ça n'a pas l'air bon, mais j'ai pas du tout envie de le dessiner. Mais je vais essayer. Il n'y a pas d'autre option de tout faire. De plus, je pense pas que ce sera difficile. Ouais, je vais faire quelques traces. Eh bien, je suis en train de prendre en retard. Il faut qu'on se rattrape bientôt. Je pense que dessiner avec mes pieds est mieux que dessiner qu'avec ma bouche. Oh, d'où vient cette lenteur? Berk, Mia! Non, c'est horrible. Oh, super, j'ai déjà éliminé un rival. Et maintenant, je peux mettre à la peinture. Mes chances de ne pas attraper cette vilaine chose augmentent de seconde en seconde. Il ne reste plus qu'à faire un petit effort. Et voilà, Mia dessine déjà, je ne peux pas me procurer un feutre. Ouais, j'ai réussi. Je suis à un pas de plus de gagner. Allons-y.
Ouais. Oups. J'ai perdu mon marqueur. Où est-il passé? Non, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est la couleur dont j'ai besoin. Bon, je vais voir si je peux trouver quelque chose d'autre. Oh non, j'arrive pas. Oh, quel genre de punition! Emilia est presque terminée! Et c'est fini! Stop! Et où est vos travaux? Oh, oh, 2 secondes? Ouais. Oh non, je n'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Oh ouais, ce n'est pas bon du tout. Hein. Vraiment pas bon. Et vous? Oui, moi par contre, je suis totalement préparée. Vous l'aimez bien? Ouais, c'est super. J'adore. Ça se voit. Bien joué, Mia. Oh, quelle heure est-il? Je crois que j'ai trop dormi. Voilà, c'est déjà l'heure de montrer les œuvres. T'inquiète pas, j'ai tout compris. Tiens, tu perds contre Kate. Quoi? Non, c'était pas ma faute. J'étais sans émotion à cause de Mia. Est-ce que je dois vraiment manger ça? Oh, ça a l'air dégoûtant. Je ne peux pas m'imaginer le mettre dans ma bouche. Je vais moins essayer de le lécher. Oh, waouh! En fait, c'est bon. C'est de la pâte de chocolat. Je suis prête à manger ça du matin au soir. C'est délicieux. Superbe. Qu'est-ce que tu fais? Oh, vous ne savez pas à quel point c'est bon. J'adore. Ouais. Génial. Oh non, nous sommes vraiment dégoûtés de le voir. On va vomir. Vous voulez? Non, non, merci. Un autre fois. Et voilà le chat. Adorable. Oh, quel mignon. J'adore. Et voilà, les filles. Assieds-toi, le petit. Nous devons attendre un peu pour que les filles fassent leur travail. D'ailleurs, ils vont dessiner directement sur le visage. Allons-y. C'est parti. Oui, oui, d'accord. Oui, mais nous sera le mien. Vous allez voir. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Je pense que le maquillage de la chatte me conviendra très bien. Je n'ai pas besoin de crayon blanc. Je préfère utiliser le bleu, oui. Regardez comme c'est lumineux. C'est ça. Oui, je fais la moustache. Et oui, ainsi je vais faire les yeux maintenant. C'est super. Oui, ça te va vraiment bien. J'espère que ça va m'aller bien aussi. Ouais, comme ça. Un peu de moustache. Tu n'as aucune chance de gagner de toute façon. Détends-toi. Je vais dessiner en me regardant dans le miroir. C'est tellement plus facile. Personne ne peut me battre. Oh ouais. Le nez. La moustache. Ouais, j'ai déjà fait la plupart des dessins. Le crayon blanc. Ouais, mais Jennifer, comment tu vas? Je ne sais pas ce que ça me donnera. Mais pourquoi tu utilises le miroir? C'est tellement injuste! Non, mais n'importe quoi! Pourquoi tu m'as poussé? Mia! Non, mais regarde ce qui se passe! Ce n'est pas bon du tout! C'est sûr! Nous devons lui donner une leçon pour qu'elle n'apprenne plus aucune règle! Kate, tu nous as forcé à faire ça! Je suis désolée! Non, non, arrêtez! Non, s'il te plaît, arrête, Mia! Mon dessin a été effacé ou quoi? Mais pourquoi? J'y ai mis beaucoup de travail! Au moins, t'enfreindras plus jamais les règles. Ouais. Il semble que Mia soit déjà sûre de sa victoire. J'aime pas ça. Salut Mia, je peux te distraire? Je pense que ton dessin a l'air un peu décalé. Mais t'inquiète pas, je vais t'aider. Je vais tout réparer avec un crayon. Oui, t'inquiète. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Oh non! Et alors, de quoi j'ai l'air maintenant? Mieux? Ouais, beaucoup mieux! Totalement différent! Bon, et je vois que tout le monde est prêt! C'est génial, car le temps est presque écoulé! Oh, petit, ne regarde pas par là! Il n'y a rien de bon! Et moi? Et moi? Vous aimez bien? C'est encore pire! Vraiment? Mais Jennifer l'a réparé! Oh non, tu m'as trompé! Oh, je comprends pas ce qui se passe. On dirait qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Et Jennifer a gagné. Vas-y, va la chercher. Ouais, j'ai réussi. Mon minou, mon chaton. Viens ici, je vais te faire un câlin. Et pourquoi j'ai envie de... Jennifer semble être allergique à la fourrure. C'est pour le mieux. Nous avons le chaton. Oh, je ne me sens pas très bien. Oh non. Oh non.